Béatrice, 37 ans, restauratrice. Les deux, sur place et à emporter. Il a fallu une date pour mettre en avant la femme, parce que ce n'est pas une fête. Le 8 mars symbolise pour moi la gratitude. On doit constamment remercier les femmes autour de nous. Sans elles, on ne serait pas là. C'est un jour qui est dédié à la femme dans sa généralité, sa globalité et son entièreté. J'apporte ma fidélité avant tout, ma présence. Je suis née, donc grandie à Saint-Denis et je ne compte pas partir de sitôt. J'ai la chance de travailler dans le parc du Cavert familial, qui est donc le poumon de Saint-Denis. Je suis très fière de travailler à cet endroit-là pour justement faire profiter à nos clients de cet endroit verdoyant et accueillant et intimiste aussi. Je ne me qualifierai pas de super-héroïne, mais tout le monde, toutes les femmes sont des super-héroïnes. Les mamans, celles qui donnent naissance, celles qui soignent les petits, gros bobos, celles qui font des actions tous les jours autour de nous. Toutes les femmes sont des super-héroïnes. Pour moi, l'équité, c'est accepter la personne dans son entièreté, à sa juste valeur, qu'importe sa religion, sa culture, sa couleur de peau. Et il faut l'accepter dans sa globalité. À la génération future, j'aimerais leur dire qu'il faut être déterminé, il faut travailler, dur. Rien n'arrive comme ça. Il faut penser à nos ancêtres, à nos aïeux qui, elles, ont beaucoup donné. Aujourd'hui, on a tout à disposition. Il faut se battre pour réussir. Il ne faut pas hésiter à s'exprimer, à alerter et à se défendre aussi.